Et par rapport à la carte pro, quand on gagne la carte pro dans une catégorie, on peut concourir que dans cette catégorie. On ne peut pas concourir dans une autre catégorie. Exactement. C'est-à-dire que si tu as été pro classique, tu vas concourir chez les pros classiques. Il est en bodybuilding comme nous, donc Musclemania, comme nous trois, nous deux. C'est uniquement. Après, si vous avez la double carte, alors, ça c'est aussi possible chez Musclemania, c'est qu'on peut gagner physique, classique, autant qu'on veut. Donc là, là, tu peux faire les trois. Nous avons Rodrigue Saquet, il a deux cartes, classique et physique. Il a le droit de faire les deux en pro. Comme vous avez pu partager ou faire en amateur trois ou deux catégories. C'est exactement ça. Et quand on est prêt une fois, on est prêt deux fois. Voilà. C'est ça. Le même jour en plus. Et par rapport aux destinations pour valider la carte pro, c'est vraiment les deux grosses compétitions Las Vegas. En fait, voilà. C'est en gros pourquoi on va là-bas, parce que c'est uniquement là-bas où il y a les divisions pro, quasiment. Les plus connues. Donc il y a Miami et Las Vegas. Après, il y en a d'autres. Hein. Nous, voilà, on a décidé voilà, avec Musclemania, Paris, de créer une division pro donc pour 2018 à Paris. Donc ça sera, maintenant, on a assez d'athlètes pro pour pouvoir faire justement une division pro. On manquait avant. Maintenant, aujourd'hui, on a. Vous êtes là. Donc, depuis 2014 à aujourd'hui, il y a ce qu'il faut maintenant. Voilà. Et puis, il y a aussi le fait que c'est quand même les États-Unis. Et puis, Musclemania est créé là-bas. On repart un peu à l'origine même de la fédération. Donc, c'est plus porteur que d'aller, par exemple, faire son premier concours professionnel ailleurs. Donc, il y a beaucoup d'athlètes aux États-Unis plus qu'ailleurs. Donc, ce qui fait qu'on valide beaucoup mieux comme ça aussi sa carte. Pas avec les athlètes qui sont en dessous de notre niveau, mais qui sont la plupart du temps au-dessus du niveau que nous avons ici. C'est bien un niveau international. Donc, quand on fait championnat du monde, il y a le Mexique, il y a tout le monde. Hein. États-Unis, Mexique, Corée, Japon, Chine, Australie, ils sont énormes. De partout. Canada à côté. Canada, voilà. C'est vraiment, c'est championnat du monde, même univers. Hein, voilà. Il y a tout le monde qui est là. Donc, ça regroupe vraiment toutes les origines, tous les pays. Il y a une année où on était 700. C'était, oui, en 2014. Ouais. Donc, oui. Donc ça fait du monde, quoi.